Salut, aujourd'hui on va corriger quelques exercices concernant les fonctions linéaires et les fonctions affines. Donc on commence par l'exercice 1. Donc l'exercice 1, on considère une fonction linéaire g telle que la droite d est sa représentation graphique dans un repère orthonormé OIJ. Donc sachant que d passe par le point A, qui est l'abscisse 5 et l'ordonnée 4, déterminer l'expression de g de x. Donc, n'attabir dalla khatiya g. Donc, awwal haja kan'rafou anna g dalla khatiya. Donc, on a g et c'est une fonction linéaire. Donc on a g une fonction linéaire d'elle khatiya w d tamthiluha al mibyani donc al mustaqim d w tamthiluha al mibyani fi al ma'lam muta'amid mumandam o i j. Donc d est sa représentation graphique donc sachant que D, donc tel que le point A 5, 4, donc D passe par le point A, ça veut dire que A appartient à D. Première question, on doit déterminer l'expression de G. Donc, bien sûr, on commence par la forme générale d'une fonction linéaire. On va dire le donc, bima anna g dalla khatiya, fa hiya tuktab ala shakl g de x tusawi a fi x. Donc, puisque g est linéaire, alors g de x égale ax et on doit déterminer a. Donc pour déterminer a, on utilise la relation g de x sur x. Donc le coefficient directeur d'une fonction linéaire est g de x sur x. C'est-à-dire, l'ordonnée d'un point qui appartient à la représentation graphique de la fonction sur l'abscisse. Ici, on va travailler avec le point A. Et dans le tahdid mu'amil mouajih li dalla khatiya, nous utilisons la relation A tusawi g de x ala x, bihayt g de x huwa urtoub nokta, tantami ila tamthil mibyani, wa x hiya هو الأفصول. دونك هنا عندنا A عندها الأفصول 5 والأرتوب 4. دونك أرتوبها 4 يعني أن 4 هي صورة 5 بالدالة G يعني أن G دو 5 تساوي 4. إذن A تساوي G دو X على X تساوي on va travailler avec g de 5 sur 5. D'après le donné, on a A à l'abscisse 5 et l'ordonnée 4. Donc, je vais travailler avec 5. Donc, g de 5 sur 5 égale à 4 sur, je vais remplacer g de 5 par 4 sur 5. On n'écrit pas g de 5 sur 4. Attention, on écrit en dénominateur le nombre qui est entre parenthèses, c'est-à-dire le même x, le même 5. Mais quand on écrit g de 5 à 4, là,
كنكتبو الجي ديال 5 على 5، يعني العدد اللي خاصو يكون في المقام هو العدد اللي بين قوسين. من بعد عاد كنعوضو بصورة 5 باستعمال نقطة أ. دونك جي دو إكس سي 4/5 إكس، 2 calculons l'image de moins 15 sur 2 par la fonction g. لنحسب صورة العدد ناقص 15 على 2 بالدالة g. إذا عندنا تعبير الدالة g بقينا في السؤال الأول، هو اللي غنخدمو به. Donc l'image de moins 15 sur 2 est g de moins 15 sur 2 égale à 4 sur 5. On va remplacer ici, on a remplacé x par moins 15 sur 2. Donc on doit aussi remplacer x qui est là par moins 15 sur 2. Je vais simplifier par 2, il reste ici 2, et ici je vais simplifier par 5, il va rester moins 3, donc égal à 2 fois moins 3 égale à moins 6. Donc égal moins 6. Alors l'image de moins 15 sur 2 c'est moins 6. Puis on va déterminer. Donc la question 3, donc déterminons le nombre C sachant que M qui est l'abscisse C et l'ordonnée 2 sur 3 est un point 2. Est un point de D, c'est-à-dire est un point qui appartient à la représentation graphique de la fonction G. Donc ici, puisque M qui est l'abscisse C et l'ordonnée 2 sur 3 appartient à D, donc on peut dire facilement que l'image de C par la fonction G est 2 sur 3. Et on va déterminer C comme inconnu. Donc, je vais écrire. Puisque le point M qui est à l'abscisse C et l'ordonnée 2 sur 3 appartient à la droite D, alors G de C égale 2 sur 3. Donc je vais remplacer G de C par sa valeur, donc je vais remplacer X par C, donc c'est 4 sur 5 fois C égale 2 sur 3, et C égale à 2 sur 3 sur 4 sur 5. Et je vais multiplier par l'inverse. C. Donc ici, je simplifie par 2. Égale à 5 sur 6. Alors, l'image de 5 sur 6, c'est 2 sur 3. Donc, le nom C qui a pour image 2 sur 3, c'est 5 sur 6. Et M à l'abscisse 5 sur 6 et l'ordonnée 2 sur 3. Donc exercice 2. Dans la figure ci-dessous, ABCD est un trapèze tel que AB égale à 4, DC égale à 6 et AD égale à X.
et soit f la surface du trapèze ABCD. Donc, في الشكل عندنا ABCD شبه منحرف كما كتشوفوا في الشكل شبه منحرف قائم شبه منحرف قائم الزاوية في D عندنا AB تساوي 4 و DC تساوي 6 و AD تساوي X F دو X هي مساحة شبه منحرف إذن أول حاجة خاصنا نعرفه هي مساحة شبه منحرف كم تساوي دونك مساحة شبه منحرف بصفة عامة دونك لا سيرفاس d'un trapèze égal donc égal à la petite base plus la grande base bien sûr les longueurs fois la hauteur divisé par 2 donc مساحة شبه منحرف هي القاعدة الكبرى القاعدة الصغرى على القاعدة زائد القاعدة الكبرى في الارتفاع مقسمة على 2 داكوغ دونك شبه منحرف دائما كتكون فيه قاعدة كبرى وقاعدة صغرى إذن هذه العلاقة هي مساحة ديال شبه منحرف دونك première question on va exprimer f de x en fonction de x donc on a bien sûr, f de x ici, c'est la surface. C'est la petite base plus la grande base fois la hauteur divisée par 2. Donc la petite base ici, c'est AB. La grande base, c'est CD. La hauteur, c'est AD. Divisée par 2. Et je vais remplacer chaque la longueur par sa valeur. Donc AB, c'est 4. CD ou bien DC c'est 6 fois X qui est AD sur 2 donc c'est 10X sur 2 égale à 5X alors F de X c'est 5X donc cette relation est l'expression de F de X qui est égale à 5 fois x. Donc ici, remarquez que f de x est écrite sous la forme ax. Donc c'est une fonction linéaire. Donc on va montrer dans la question 2 que la fonction f est linéaire. Question 2. Question 2, montrant que f est une fonction linéaire. Donc, pour montrer qu'une fonction est linéaire ou affine, on calcule toujours l'image de 0. Ou bien on dit qu'il est écrit de la forme ax, ou bien ax plus b s'il est affine. Donc, moi ici, je vais calculer l'image de 0. Donc, لكي نبين أن دالة خطية أو تألفية نحسب صورة ديال صفر إذا كانت صورة صفر تساوي صفر فإن الدالة خطية وإذا كانت تخالف صفر فإن الدالة تألفية إذن on va calculer l'image de 0 donc on a f de 0 c'est 5 fois 0 égale 0 alors f est linéaire. Après, on va construire dans un repère orthonormé OIJ la représentation graphique de F. La représentation graphique de la fonction F. Donc, bien sûr, on sait que la fonction F est linéaire, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère et on a besoin d'un autre point. Donc on va calculer par exemple l'image de 1. Donc on a, donc je vais écrire soit D
la représentation graphique de F. Donc, بما أن F est دالة خطية فإن تمثيلها المبياني سيمر من أصل المعلم. إذا نحتاج إلى نقطة أخرى لكي ننشئ التمثيل المبياني في المعلم. هذه النقطة منين غنجيبوها؟ غنجيبوها من الحساب ديال صورة عدد حقيقي. نختار عدد حقيقي كيف ما كان، غنحسبوا ليه الصورة ديالو، يكون هو الأفصول، غنحسبوا ليه الصورة ديالو بالدالة F باش نلقاو الأرجوب. إذا D دالة خطية، دونك D alors D passe par O, l'origine du repère, car F est linéaire, bien sûr. Et on a F de 1 égale à 5 fois 1 égale 1 et égale 5. Donc, A qui a l'abscisse 1 et l'ordonnée 5 appartient à D. Et on va construire le repère orthonormé. Donc ici, c'est le repère orthonormé O, I, J. Donc là, c'est l'axe des abscisses et ici, c'est l'axe des ordonnées. C'est-à-dire ça, c'est l'axe des X et c'est l'axe des F de X. Donc pour construire D, il va passer par O et par le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 5. Donc 2, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le projet orthogonal sur l'axe des ordonnées et le projet orthogonal sur l'axe des abscisses nous donne le point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 5. Donc la droite qui passe par O et par A et la droite D qui est la représentation graphique de la fonction F. Donc je vais lier les deux points et on trouve la droite D, la représentation graphique de la fonction linéaire F. On passe à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, on considère cette fois une fonction affine H. Donc on a H, une fonction affine. Telle que H, on a deux images. On a H de 0 égale à moins 1 et H de 1 sur 3 égale 0. C'est-à-dire le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1 appartient à la représentation graphique. Et aussi le point d'abscisse 1 sur 3 et d'ordonnée 0. Donc on doit toujours expliquer les données. 1. On va déterminer l'expression de H. Donc bien sûr, puisque H est affine, alors il s'écrit de la forme H de X égale AX plus B. Donc, je dois d'abord déterminer A, qui est le coefficient directeur. Et donc, بما أن H دالة تألفية فإنها تكتب على شكل H de X تساوي AX زائد B. Et donc, سنحدد A أولا اللي هو المعامل الموجه للدالة. Donc, A égale à combien? Donc, A égale à F de X1
pardon, h, on travaille avec h, h de x1 moins h de x2 sur x1 moins x2. Et donc, on a un chiffre de deux حقيقيين. كنحسبوا لهم الصور ديالهم وكنقسموا على الفرق ديالهم دونك فرق صور عددين حقيقيين على الفرق ديال هاد العددين الحقيقيين وكنحتاروا الترتيب يعني اننا العدد الاول اللي درناه الفوق هو اللي كنديروه لتحت دونك ديما في المعطيات كتلقاو انهم عطاو صور عددين حقيقيين هما اللي تستخدموا بهم هنا داكوغ او كتلقاو انهم عطاو نقطتين كينتميو للتمثيل المبياني ديال الداله التالفيه الى عطاو نقطتين تنتميان الى التمثيل المبياني ديال الداله التالفيه معنى هذا ان غتخدموا بهذوك النقطتين غتعتبروا ان الافصول هو اكس والارتب هو اف دو اكس لكل نقطه وبالتالي غديروا الارتب ناقص الارتب على الافصول ناقص الافصول بالترتيب كيف ما شفنا في المستقيم في معادله مستقيم دونك h دو x1 هنا غنوضع h دو 0 موان h دو 1 سور 3 سور je ne crée pas en bas moins 1 moins 0 non j'écris les nombres qui sont entre parenthèses comme ça Après, je remplace h de 0 par sa valeur moins 1 et h de 1 sur 3 par sa valeur 0 divisé par 0 moins 1 sur 3 égale à moins 1 sur moins 1 sur 3, c'est 3. Alors, l'expression de h est h de x égale 3x, on a trouvé a égale à 3 plus b qu'on va calculer maintenant. Donc, on va calculer b. Bien sûr, on suit la même méthode dans chaque exercice comme ça. C'est la même méthode de réponse. Donc, je vais écrire. On va travailler avec l'une des images. Soit h de 0, soit h de 1 sur 3. Donc, je vais travailler avec h de 0. On a h de 0 égale 3 fois 0 plus b. Et h de 0, dans les données, c'est moins 1, égale à 0 plus b. J'ai calculé ici. Donc, b égale moins 1. Donc, j'ai trouvé que b égale à moins 1. Alors, l'expression de h c'est 3x plus moins 1 qui est 3x moins 1 directement. Donc, هذا هو تعبير الدالة h. Donc, بما أن الدالة التألفية فإنها تكتب على شكل ax زائد b. Après, on va calculer l'image de h de 2, donc h de 2 égale à combien, et l'image de h de moins 1. Donc, on a h de 2, c'est 3 fois 2 plus, pardon, moins 1. Et dans ce sens, il y a 3 في 2 ناقص 1 تساوي 6 ناقص 1 تساوي 5 وصورة ناقص 1 هي h ديال ناقص 1 هي 3 في ناقص 1 ناقص 1 يا ناقص 3 ناقص 1 تساوي ناقص 4 إذا صورة ناقص 1 هي ناقص 4 وصورة 2 هي 5 Après, on va construire la représentation graphique de la fonction h dans un repère orthonormé OIJ. Donc, je vais considérer, d'accord, D ne passe pas par
إذا الدال لا يمر من أصل معلم لأن الدالة تآلفية وليست خطية. إذا ne passe pas par l'origine du repère. Car H est affine. Donc on doit déterminer ou bien on doit définir deux points qui appartiennent à la représentation graphique de la fonction G, donc de la fonction H. Donc on doit travailler avec les images qu'on a calculées ou bien les images qui sont dans les données. يعني اننا خاصنا نخدمو بالصور اللي عندنا في المعطيات او اللي حسبناها في شي سؤال. دونك هنا حسبنا صورة 2 وصورة ناقص 1. اذا فان التمثيل المبياني يمر من النقطة افصولها 2 وارتوبها 5 ومن النقطة التي افصولها ناقص 1 وارتوبها ناقص 4 او نستخدم المعطيات النقطة التي أفصولها 1 على 3 وأرتوبها 0 أو النقطة التي أفصولها 0 وأرتوبها ناقص 1. دونك من الأحسن أنكم تخدموا بالصور اللي عندكم في المعطيات تفاديا للخطأ، لأن تقدروا تكونوا درتوا خطأ في الحساب ديال الصور في التمرين، وبالتالي كيبقى الطريقة الأضمن الطريقة السليمة هي أننا نخدموا بالصور اللي عندنا في المعطيات. Donc je vais travailler avec les images qui sont dans les données. Donc puisque H de 0 égale moins 1, alors le point A qui a 0 et l'ordonnée moins 1 appartient à D. Et l'image de 1 sur 3 c'est 0, alors B qui a 1 sur 3, 0 appartient à D. Donc dans le repère orthonormé O et J, ici on a cet axe E des X et l'axe DZ de X. Donc le point qui a l'abscisse 0 et l'ordonnée moins 1, c'est ce point-là. Donc ce point est A qui a l'abscisse 0 et l'ordonnée moins 1, et le point qui a l'abscisse 1 sur 3, donc ici c'est 1 sur 2, et là va être 1 sur 3. C'est mieux de diviser OX sur 3 et prendre un tiers, donc 1 sur 3 et 0, donc c'est le point. C'est le point B qui a 1 sur 3, 0. C'est le point B qui a 1 sur 3, 0. Et l'ortoub 0. Donc c'est la droite D. La représentation graphique de la fonction H qui est affine, donc ne passe pas par l'origine du repère. Maintenant on va faire un autre exercice. L'exercice 4, on a dans un repère orthonormé la représentation graphique d'une fonction affine f passe par les points A d'abscisse 1, 1 d'ordonnée 1 et B qui a moins 2, moins 1. Donc f ici est une fonction affine. هي دالة تآلفية بحيث تمثيلها المبياني يمر من النقطة sa représentation graphique passe par A qui a 1, 1 et par B qui a moins 2, moins 1. Donc quand on dit que la représentation graphique passe par deux points, ou bien les deux points appartiennent à la représentation graphique, on dit qu'on a
تمثيل مبياني يمر من نقطتين او ان نقطتين تنتميان الى تمثيل مبياني لدالة، فان ا واحد واحد تكتب على شكل اف ديال واحد، يعني ان صورة الافصول هو الارتوب، وايضا صورة ناقص اثنان هي ناقص واحد. D'accord, cela signifie. Donc, cette écriture, c'est la même ici. Ces deux écritures sont équivalentes. Donc, dans la question 1, on doit déterminer l'expression de la fonction f. Bien sûr, on va suivre les mêmes étapes qu'on a fait dans la question 1 de l'exercice 3. Donc, je vais suivre les mêmes étapes. Je vais calculer a puis b. Et on va réduire au même dénominateur. Donc b égale 3 moins 2 sur 3 égale 1 sur 3. Donc on trouve que f de x est 2 sur 3x plus 1 sur 3. On passe à la question numéro 2. On va donner la valeur du rapport. نحسب قيمة النسبة f de 2018 moins f de 2019 sur 2018 moins 2019. Donc, puisque donc ici égal à combien? Donc, comme vous voyez ici, c'est comme l'expression du coefficient directeur d'une fonction, c'est-à-dire f d'un nombre réel moins f d'un autre nombre réel sur le... ici, j'ai fait une faute, ici c'est 2019 moins 2018 dans l'exercice. Donc, sur 2000, au lieu d'écrire les nombres en ordre, on voit que les nombres ici sont en désordre, c'est-à-dire ils ont écrit f de 2018 moins f de 2019, mais en bas on a 2019 moins 2018. Donc pour qu'on puisse travailler avec le coefficient directeur, donc la fonction a le même coefficient directeur. Donc دلت الوفيه كيكون عندها نفس المعامل الموجه مهما غيرنا في الاعداد. مهما غيرنا في الاعداد كيخرج لنا نفس المعامل الموجه. دونك ici f 2018-2019 sur 2019-2018 égale je vais écrire 2019
dans l'ordre du dénominateur, نكتب ترتيب ديال البسط في ترتيب المقام. يعني f de 2019 هي الاولى ناقص f de 2018 sur 2019 moins 2018. Mais on sait bien que la différence n'est pas commutative. Ce n'est pas comme comme l'addition. Donc si on a ici plus, c'est facile de commuter les nombres. لكن عندنا الجمع راه ساهل باش نبدلو اماكن ديال الحدود، ولكن ملي كيكون الفرق الا بدلنا ترتيب الحدود خاصه نخرجوا واحد ناقص، لان بصفه عامه الا كان ا ناقص بي او الا كان ا زائد بي راه هي بي زائد ا، ولكن ا ناقص بي ماشي هي بي ناقص ا، سي با لا ميم شوز. دونك ا موان بي ايغال موان بي موان ا comme ça. Donc comme ici c'est moins ces choses là, d'accord, égal. Donc ici on a le coefficient directeur x1 f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2, c'est exactement le coefficient directeur. Je vais remplacer ce nombre par le coefficient directeur a qui est égal à 2 sur 3, donc ici moins 2 sur 3. Alors la valeur de ce rapport est moins 2 sur 3. Donc comme vous voyez ici, donc j'espère bien, bien sûr on s'arrête ici, on s'arrête là, j'espère bien que tout est clair. Pour être à jour, n'oubliez pas de s'abonner, mettre un j'aime et activez la cloche. Merci pour votre attention. Au revoir.